société AMJ, donc réseau national de maintenance. L'actualité d'AMJI, récemment, vous venez de signer un accord avec les filiales PSA pour la maintenance, le dépannage et l'installation, c'est ça ? Roberto Radine, donc société LK, DEA, Worky également. Vous avez depuis quelques années déjà équipé un peu plus d'une centaine de sites en mobilier de garage et aussi en extraction, donc notamment le groupe Chopin, Crolli, PGA pour en citer quelques-uns, et notamment la concession à Chenov du groupe Chopin pour Peugeot Ambition, c'est ça ? Richard Vendôme, donc société Axia Automotive maintenant, ex-Axia Müller. Vous venez de remporter sur le salon Equip Auto le trophée d'or sur la connectivité, donc qui va être le sujet d'aujourd'hui, bien entendu. Le volet réglementaire, société Decra, monsieur Roger Lemaître, hein, donc Decra, c'est un acteur majeur dans la prévention des risques humains et professionnels. Alors, je vais demander à Diane de nous lancer la vidéo. Futuriste de la voiture de demain, l'environnement de travail et des équipes techniques va devoir s'adapter, mais aussi l'accueil client dans les ateliers. Alors, doit-on passer par la réorganisation des postes de travail pour répondre à cette révolution ? Alors, avant que vous me fassiez votre réponse, Roberto, je voudrais qu'on lance une vidéo qui va montrer ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous avez fait pour le réseau. Diane ?
passer par cette réorganisation des postes de travail? Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je m'appelle Roberto Radin. Je suis responsable de la société ICA, donc société basée en France à côté de Lyon. La réponse est absolument oui, pour une série de raisons qui sont assez simples à expliquer. La première chose, les premiers buts de notre travail, évidemment, c'est de fournir une organisation idéale aux personnes qui travaillent à l'intérieur des ateliers mécaniques. On est, pour la plupart, je pense, des ateliers dans une situation qui est un peu différente par rapport, on va dire, à ce qu'on vient de voir sur cette petite vidéo. Et il est évident que le premier but, c'est de fournir un environnement idéal à qui doit travailler pour pouvoir être productif et précis dans le travail. Donc ça, c'est évidemment la base de départ. Il y a deux autres considérations qui viennent derrière. C'est les exigences du constructeur, bien évidemment, qu'il faut tenir en compte. Là-dessus, je n'irai pas beaucoup plus loin parce qu'il y a un petit flou aujourd'hui. Beaucoup va dépendre dans l'atelier en ce qui concerne donc la configuration des ateliers dans les 10-15 ans des évolutions du marché et de l'automobile. Les récents faits font qu'il y aura probablement des changements qui seront un peu brusqués. On risque de se retrouver d'ici 3, 4, 5 ans avec des voitures de nature complètement différente par rapport à ce qu'on avait encore il y a 2-3 ans. Et donc cet aspect-là, c'est un aspect qui évoluera énormément. Je pense que très important, on risque de se retrouver avec des ateliers comme il y a une vingtaine d'années, où au lieu d'avoir comment dire, des spécificités de travail, des organisations très strictes, on se retrouvera avec des postes très polyvalents parce qu'on sera obligé d'entretenir des véhicules de type complètement différent. Et comme les ateliers mécaniques des concessions ne sont pas des porte-monnaie en accordéon qu'on peut ouvrir ou fermer, il est évident qu'à un moment donné, il faudra qu'on puisse réparer, entretenir le véhicule de types différents sur les mêmes postes de travail. Donc, encore une fois, c'est des réflexions qui seront plus à faire avec les constructeurs. Donc, en ce qui concerne cet aspect-là, je m'arrête un peu. Le troisième aspect, par contre, que je voulais développer avec tout le monde, c'est l'importance de créer des espaces, comme on vient de voir. C'est bien sûr, comme on a dit, de fournir comment dire, un outil important, développé, propre, à qui doit travailler. Mais c'est aussi de le faire pour communiquer. C'est votre façon de communiquer avec la clientèle, de fidéliser la clientèle. Ce qui se passe devant ces fameux murs qui séparent la vitrine, les paillettes, l'éclairage, la publicité, la communication, c'est les constructeurs. Ce qui se passe derrière ces murs, c'est vous, c'est vos entreprises, c'est votre façon de communiquer avec les clients, de fidéliser les clients, de lui faire vivre des expériences uniques. Et donc, c'est vraiment votre nom. Votre nom, c'est lié à ce qui se passe derrière. Donc, j'essaie toujours de mettre un peu l'accent là-dessus parce que c'est, à mon avis, très important. On a caché ce qui se passe derrière le mur pendant des années. Il est évidemment, à mon avis, très important de comprendre que c'est une opportunité, au contraire, pour communiquer avec les clients. Donc, dans ce cadre-là, nous, on intervient, si vous voulez, en tant que déjà aide, tout de suite au départ du projet, même au moment de l'idée de lancer un nouveau projet, en tant que
entreprise qui peut vous aider à développer certains de ces concepts qu'on vient de voir. On travaille bien en amont des projets, donc même bien avant le premier coup de pelle ou la pose de la première pierre pour la construction d'une concession. Au contraire, je dirais souvent, on est, une fois que le premier coup de pelle est donné, nous, on a pratiquement déjà défini tous les aspects dans les détails de ce qui sera le futur atelier mécanique de la concession. On intervient donc avec, après on travaille sur des plans 3D pour faire l'implantation, on fait la plantation de l'atelier complet, on travaille à côté de tout ça, sur tous les équipements techniques qui viennent contourner le mobilier que vous venez de voir, tout ce qui est air comprimé, distribution de fluides, extraction des gaz d'échappement, etc. Parce que là, vous travaillez en synergie avec l'architecte. On travaille en grosse synergie avec l'architecte, oui. Aujourd'hui, on sert des supports. Petit exemple, en ce moment, il y a les salons Equipoto. Sur notre stand, on expose avec un architecte, qui est un architecte avec lequel on n'est pas spécialement lié. Mais on a développé beaucoup de projets ensemble. Ils voulaient se présenter. Et c'est aujourd'hui tellement complémentaire ce qu'on fait avec leur travail que... Voilà, nous, on soulage quelque part le travail de l'architecte dans un domaine, je dirais, qui n'est pas très aimé, parce que c'est un domaine un peu technique, un peu spécifique, et nous, on les aide énormément là-dessus. Donc, notre travail, en réalité, c'est de venir en support et en aide, vraiment, avec toutes les entreprises qui travailleront autour du projet, l'architecte, le constructeur, mais aussi les autres équipementiers, parce que pour créer des situations comme vous avez pu voir dans la petite vidéo, il faut mettre ensemble aussi les autres équipementiers qui installent les ponts élévateurs, qui installent les matériels informatiques dans l'atelier mécanique. Donc voilà, c'est un ensemble qu'il faut pouvoir réunir. Et un peu par hasard, on s'est retrouvé à faire ce travail-là. Et voilà, donc c'est un service qu'on propose aujourd'hui qui englobe toute cette partie-là. Voilà, donc dans une phase globale de projet sur la construction d'un bâtiment et même dans la rénovation. Tout à fait, même dans la rénovation. Là, on parlait on a vu des concessions neuves, des nouveaux bâtiments, mais même dans la rénovation, on intervient. Donc on a plusieurs cas dans lesquels on a intervenu dans le cadre de rénovation. Et justement, une des facilités qu'on peut donner avec ce type de mobilier, ces aménagements que vous avez vus, c'est de réduire quelque part certains coûts, certains frais dans tout ce qui est rénovation de bâtiments, des murs, des sols, etc. Parce qu'on peut, faciliter aussi cette tâche. Quoi. Voilà. Et voilà, donc en fait, le bénéfice de l'aménagement des ateliers, c'est surtout aussi une chose, c'est pour faciliter la vie au quotidien des responsables d'ateliers, en fait, clairement. Tout à fait, c'est la base. Ça, c'est sans doute la base du travail, c'est de dire on doit fournir un outil, dans le meilleur des cas, parfait, pour que qui travaille à l'intérieur puisse se sentir épanoui, travailler correctement, et surtout, évidemment, d'améliorer les performances des gens qui travaillent. Donc, c'est évident. Ça, c'est... Le premier but, la base de notre travail de tous les jours. Bien. Alors, l'aménagement est une chose. Par contre, derrière, on va avoir des évolutions, aussi bien du matériel de garage, mais aussi sur les véhicules de demain, les futurs véhicules, où on aura peut-être de plus en plus de connectivité, comme on a pu tout à l'heure sur la conférence précédente. Donc, parler de connectivité. Donc, vous, Richard, pour Actia, c'est une grosse partie de votre activité, la connectivité, vous y travaillez. Ce qui prouve que vous avez encore gagné un trophée cette année, donc c'est bravo. Quel sera le matériel de demain
pour pouvoir intervenir sur ces futurs véhicules. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors, je sais que vous nous avez préparé une vidéo. Je vais vous laisser d'abord un peu démarrer et ensuite on présentera la vidéo que vous allez me commenter parce qu'elle est très complète. Et elle est très simple. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai la délicate mission ce matin de vous transporter. Alors, je vais essayer de vous transporter dans le monde, on va dire aujourd'hui, de la réparation automobile en France, dans de grandes généralités, et de vous transporter dans 2 ans. Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre dans 2 ans quand on est acteur, on va dire client, donc quand on est automobiliste, quand on est réceptionnaire, quand on est fournisseur de pièces détachées. Et ça ne va pas être un challenge très, très facile, donc j'ai essayé d'être le plus simple possible pour pouvoir vous emmener avec moi et vous amener à vous positionner par rapport à ce très beau véhicule qu'on a pu voir en introduction. Et donc il va bien falloir qu'on opère sur ce véhicule à un moment ou à un autre. Le groupe Actia est un acteur de la première heure en technologie de réparation automobile. On est l'inventeur de la valise de diagnostic qui était chez un de vos confrères, un cousin, on va dire, fabricant d'automobile, un peu jaune, je crois, dans le logo. Et on est surtout aussi un partenaire de PSA de la première heure en diagnostic, évidemment automobile, mais aussi un partenaire Unicap depuis les débuts. Si on peut lancer la vidéo. Donc je l'ai voulu simple cette vidéo pour bien pouvoir vous donner un état des lieux par exemple aujourd'hui. Donc elle est coincée. La technique est avec nous. Oui. Alors je pars d'un constat très simple. Un automobiliste qui va avoir un besoin à un moment donné, un témoin d'entretien qui s'allume et donc qui va aller naturellement aujourd'hui contacter un professionnel de son choix pour pouvoir accéder à son besoin. Ce professionnel, il va utiliser des appareils pour pouvoir effectuer des opérations que je vais qualifier aujourd'hui de binaires. J'ai besoin de faire une recharge de climatisation, j'ai besoin d'un appareil pour faire cette recharge. Et ces différents appareils vont générer des retours et le professionnel devra se poser la question de la pièce détachée. Qu'est-ce que je vais proposer à mon client ? Il va se retourner vers un fournisseur de pièces détachées qui lui-même va se retourner vers un fabricant de pièces détachées. Et dans cette boucle-là, on va avoir évidemment la fourniture de cette pièce. Mais par contre, il y aura toujours, si cette pièce est un petit peu exceptionnelle, un temps un petit peu plus long de prise en compte. Derrière ça, il va procéder à la réparation, effectuer une facture. Et aujourd'hui, ce qu'on constate dans beaucoup de cas, c'est que le client ne comprend pas forcément ce qui a été fait sur son véhicule. Alors, non pas que c'est mal expliqué, mais que ce n'était pas forcément prévu. Ce qui se passe, que dans le futur, quand la même chose va se reproduire, qu'il va avoir un besoin, il va essayer de comparer une offre, l'offre précédente, par rapport aux offres qui s'offrent à lui. Dans 2 ans, ce qu'on souhaiterait, ce serait que l'ensemble des véhicules en France soient connectés au moment du besoin, c'est-à-dire on a un besoin d'entretien, ce véhicule est connecté et doit avoir un atelier, on va dire, de rattachement, un professionnel qui va pouvoir recevoir cette information et dire le véhicule a besoin de quelque chose. Quand le client se placera pour le rendez-vous chez le professionnel, il sera connu, bien réceptionné, puisqu'on aura exactement la connaissance de son besoin. Et les appareils, là, cette fois-ci, vont devenir intelligents, c'est-à-dire qu'ils vont aller capter de l'information sur le véhicule à travers des contrôles ultra rapides et pouvoir transcrire ces différents contrôles en fait en pièces détachées, en besoin, en état du véhicule. Et c'est là où ça change complètement, complètement la perception en fait du réparateur et de l'état du véhicule. On pourra dire à un client dans ses mots à lui, voilà où on est. Où en sont les différents sous-ensembles, et tout le monde autour de cette connexion-là, autour de cet état de véhicule, sera au courant, tant le fabricant de la pièce détachée, tant le distributeur de la pièce détachée, que le garagiste. Autour de ça, il y a toujours un moment, une opération de réparation, toujours une facturation, c'est le nerf de la guerre, et on a cet état de véhicule qui évolue à travers une petite application pour laquelle l'automobiliste sera au courant exactement de ce qui se passe sur son véhicule. C'est quoi la finalité de tout ça? C'est qu'on puisse dans 2 ans en fait arriver au fait que tout le monde sait quoi, quand, comment. C'est les 3 fondamentaux aujourd'hui pour prendre une décision. Et à partir de là, l'information sera entièrement maîtrisée par le réseau qui utilisera cette technologie. À partir de là, ce réseau pourra se mobiliser en termes de production, de campagne marketing, et surtout, et c'est bel et bien ça le but,
dynamiser vos entrées ateliers et avoir une fidélité client qui ne s'érode pas avec le temps. On sait qu'il y a des cycles de vie du client dans les différents réseaux où on a des habitudes qui baissent avec le temps. Et si on informe le client, logiquement, sur l'état de son véhicule et qu'on entretient cette relation-là où je sais, donc je suis rassuré, donc je suis préparé, et donc au moment de la réception du véhicule, je serai plus enclin à faire telle ou telle réparation sur mon véhicule. Le souhait qu'on a, c'est bel et bien de développer cette fidélité dans le temps à travers des appareils ludiques, faciles à utiliser, et des véhicules certes connectés. Ça existe déjà aujourd'hui ou... Alors aujourd'hui ça existe, et on a avec certains de vos cousins, notamment Automobile Citroën, déjà un atelier connecté dans la région de Nantes, pour lequel, on va dire, les différents contrôles qui permettent d'aborder l'aspect pièce et, on va dire, préparation du véhicule pour le futur, c'est-à-dire tel et tel sous-ensemble sont à remplacer, à prévoir à court, au moyen ou long terme. Aujourd'hui, oui, c'est fonctionnel, mais on est à l'état de test avec Automobile Citroën. Alors, dans d'autres réseaux, on va un petit peu plus loin. Aujourd'hui, puisque la connexion entre le DMS du client et les différents outils est opérante, et la ventilation et le transfert d'informations entre l'outil, par exemple, de diagnostic, de géométrie ou de recherche de climatisation fonctionne, et la remontée en fait du besoin du diagnostic réalisé par l'appareil est bien remontée sur le DMS, pas encore sur une application smartphone, mais sur le DMS pour pouvoir échanger clairement avec le client et en toute transparence. Alors, c'est ce qu'on a déjà aujourd'hui un petit peu dans le réseau Peugeot avec le lancement de la station de charge bigaz homologuée PSA et la monogaz homologuée PSA, où on a ce module de pré-connectivité entre les appareils qui a été lancé. Voilà. C'est bien ça, oui. Alors, l'évolution technique est quand même assez importante, mais au niveau de la maintenance des appareils, et de la formation du personnel. Comment ça va se passer demain ? Compliqué. Donc, bonjour à tous. Donc, AMGI, oui, Réseau National de Maintenance, notre implication dans les ateliers est assez compliquée, étant donné qu'on nous appelle quand il y a un problème. Donc, forcément, une difficulté à prendre en charge les besoins, les désirs et les attentes des clients par rapport à des contraintes logistiques, temporelles, espaces, géographiques notamment. Toute la difficulté est là. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi un réseau indépendant de maintenance sur des matériels qui sont distribués par des constructeurs présents en France, certains... comme Actia Müller, Actia Automotive, a son propre service après-vente, mais, exception française, la plupart des constructeurs de matériel aujourd'hui en France n'ont plus de service après-vente. Donc le constat a été fait il y a quelques années déjà, où, bien évidemment, des professionnels du SAV se sont dit, bon ben voilà, on va prendre le relais, il n'y en a plus. Et il s'est avéré qu'il y a eu un besoin national pour ces constructeurs, qui se fait de plus en plus pressant au fur et à mesure des années, puisque, que ce soit les équipementiers, les concessions automobiles, les réseaux de centres auto, les filiales comme PSA, ont un besoin national et plus local ou régional. Les concessions automobiles se regroupent, de plus en plus de gros groupes se montent, et leur objectif et leurs besoins et leurs attentes étaient de trouver un prestataire de service qui puisse leur offrir le même service, les mêmes qualités de service, les mêmes tarifications de service, la même documentation, etc., sur toute la France. Donc voilà pourquoi AMGI a vu le jour il y a quelques années. Donc aujourd'hui effectivement, notre objectif et notre positionnement, c'est d'arriver à avoir un rayon d'action le plus large possible pour pouvoir, un, être multiproduit, c'est-à-dire aussi bien dépanner un pont élévateur, un compresseur, un démonte-pneu, une station de clim, un outil de diag, j'en passe, et multiproduit, puisque dans chaque concession, garage, réseau de centre auto, contrôle technique, etc., vous avez un pont d'une marque, un pont d'une autre marque, une station de clim d'une autre marque, etc. Et il faut que nos techniciens puissent intervenir sur toutes les marques
présentes en France qui peuvent nous fournir évidemment les pièces détachées nécessaires à l'entretien et à la réparation de ces machines. Donc ça, c'est le premier enjeu qui aujourd'hui est atteint. Les enjeux maintenant pressés par le contexte économique et qui est très très difficile pour toutes les professions en France, en Europe et même dans le monde, de toute façon. L'enjeu, c'est la réduction des délais, puisque un matériel en panne engendre des pertes d'exploitation qui peuvent chiffrer et se monter et chiffrer très, 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 très vite et très haute, notamment sur du matériel à facturation rapide, comme une station de clim. Quand vous faites 15-20 recharges par jour et que votre station elle est en panne, évidemment, vous ne voulez pas attendre votre prestataire de maintenance pendant 8 jours, parce que vous ne pouvez pas faire face et envoyer vos clients chez d'autres réparateurs. Donc le premier enjeu, effectivement, notre enjeu, c'est la réduction des délais d'intervention qui, au fur et à mesure des années, on l'a vu, sont de plus en plus réduits et pressants. Et le deuxième enjeu, c'est effectivement de faire monter, notamment la qualité de service, bien entendu, mais surtout les services annexes et la réponse client. Donc la prise en charge du concessionnaire, alors du chef d'atelier, du responsable de site, etc., qui est en panne, en essayant d'avoir une hotline intelligente qui va pouvoir nous permettre de diagnostiquer par téléphone les problèmes qu'il rencontre. Aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas capable de prédire. Les appareils ne sont pas encore capables de prédire leur panne. Peut-être que ça arrivera un jour, mais ce n'est pas encore le cas. En faisant des maintenances préventives très pointues pour éviter et pas supprimer, parce que c'est impossible malheureusement, mais limiter les pannes dans le reste de l'année. Et puis prévenir, avoir un retour vraiment très pointu au niveau du suivi des matériels, des concessions de tous nos clients, d'un point de vue logistique, d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à nos bases de données, on est capable de chiffrer les coûts de maintenance de matériel qu'on a en contrat sur une longévité, bien évidemment, et d'arriver à sortir des coûts moyens de maintenance par matériel qui sont répertoriés chez les clients. Et donc, on remonte à nos clients de façon régulière. Et c'est un des points majeurs de la signature du contrat avec PCR, puisque leur objectif est d'arriver à faire une base de données matérielle chiffrée sur les coûts des matériels de l'achat à la fin de vie du matériel. Donc nous, on est l'acteur service terrain, logistique, administratif et reporting sur les maintenances de ces matériels. Et au niveau de la formation du personnel ? Alors, la formation, nos personnels sont en formation pratiquement une fois par mois. Pas tous, bien évidemment, on fait des rotations. Donc on a une école de formation, on a intégré une société de formation dans notre réseau qui nous permet de former en interne nos techniciens. On a nos partenaires constructeurs, équipementiers, qui bien évidemment nous forment sur leur matériel à partir du moment où on travaille avec eux, on a des partenariats avec eux. Et puis notre école de formation forme aussi nos clients sur les matériels qu'on entretient chez eux. Mais effectivement, la formation devient de plus en plus pointue. D'une part, donc si on prend les 20 dernières années, même sur un matériel type pont élévateur qui normalement est un matériel basique. Aujourd'hui, il y a de l'électronique dans tous les matériels. Aujourd'hui, on a 50% de notre activité dans le contrôle technique, les réglementations contrôle technique avec les remontées des informations au niveau des réseaux, les processus de communication qui changent sans arrêt, la réglementation qui évolue et qui est de plus en plus difficile, nous force à former nos techniciens sur des compétences dont on n'avait absolument pas besoin, notamment l'informatique, le réseau, la connectivité qu'on n'utilisait absolument pas il y a quelques années. Donc on le fait, nos partenaires constructeurs sont très très présents pour nous aider à former nos techniciens, dans le sens où ils n'ont pas de service SAV, nous sommes leur interface sur le terrain. Pas tous, bien évidemment. Nous sommes leur interface sur le terrain et c'est nous qui sommes leur pourparler, en fait. Alors, tout à l'heure, vous parliez de hotline. Je suppose que cette hotline vous permet de détecter un niveau 1 de panne. Mais dans une concession, est-ce que ce soit
un mécanicien ou éventuellement le chef d'atelier, est-ce qu'ils sont habilités à pouvoir ouvrir le coffret où vous avez tous les raccords électriques, quoi que ce soit, pour pouvoir débloquer, je ne sais pas, une pièce X ou Y ou faire un shunt sur une borne? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce que s'ils le font, est-ce que ça engage la responsabilité de quelqu'un? Qu'est-ce que... Non, les hotlines sont vraiment pour diagnostiquer les problèmes. Un technicien, un mécanicien, tout dépend de ses degrés d'habilitation. Il va être habilité s'il a une habilitation électrique à ouvrir un coffret électrique. Maintenant, chanter les connexions électriques d'un pont, ce qui se fait très, très, très souvent, parce qu'il y a toujours ce fameux problème entre ce que j'ai le droit de faire, ce que je peux faire, et ce que je vais faire parce que je n'ai pas le choix. Malheureusement, ces trois positionnements ne sont pas toujours très cohérents mais ne vont pas ensemble. Mais il y a aussi le facteur économique. J'ai mon client qui est à côté du pont élévateur et qui attend sa voiture parce qu'il part en vacances et mon pont élévateur, il est resté bloqué avec la voiture dessus. Il va falloir que je trouve une solution. Nous, malheureusement, mainteneurs, on ne peut pas, je souhaiterais qu'on puisse le faire et peut-être un jour ce sera possible, intervenir dans l'heure partout en France pour débloquer le véhicule. Maintenant, la plupart des matériels, on parle du pont élévateur, ont des procédures de descente d'urgence qui sont sans danger pour les utilisateurs. Donc nous, on se sert de ce que les constructeurs ont mis en place pour faciliter l'utilisation de leur matériel, pour aider les concessionnaires. Ensuite, le pont élévateur est un bon exemple parce que c'est un peu un élément dangereux de l'atelier automobile. Donc bien évidemment, il y a des règles de sécurité à respecter. Ceci étant dit, les mécaniciens habilités par le chef d'entreprise à utiliser les ponts élévateurs connaissent leur matériel et savent l'utiliser aussi. D'accord. Donc, nous sommes là, nous, pour les guider. Ensuite, sur des matériels plus électroniques, on va prendre par exemple le diagnostic. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer la téléassistance où, à distance, on prend la main sur... un outil de diagnostic, c'est un PC. On prend la main sur le PC du diagnostic pour déterminer d'avance quel est le problème de l'appareil. D'accord. Donc, et on essaye d'aller vers ce type de pré-diagnostic. Alors, avec toutes ces évolutions dans l'atelier, est-ce que demain on peut craindre un durcissement des contrôles réglementaires qui sont déjà aujourd'hui assez lourds? Est-ce que demain ça peut encore... Ah oui, ça c'est inviter un bureau de contrôle, les gens vont se dire combien ça va encore nous coûter. Non, je dirais en matière de code du travail, il n'y a pas de grandes réformes qui sont attendues. Je dirais vous en avez déjà suffisamment comme ça. Bon, c'est généralement assez bien maîtrisé dans vos établissements, que ce soit en termes d'installation électrique, appareil de levage, appareil sous pression. Ça, c'est la petite part. Par contre, ce que l'on voit de plus en plus, et ce qui est de plus en plus inquiétant, c'est que maintenant, notamment au niveau des DREAL, on constate que le non-respect de certaines visites sont assorties d'amendes financières. On a eu le cas récemment dans des secteurs qui sont complètement différents, avec des équipements sous pression frigorifique, où l'amende pouvait être de 1 500 euros par appareil. Alors dans un magasin type un supermarché, on a facilement une dizaine d'appareils. Et il y a des gens qui se sont pris effectivement des amendes de 15 000 euros sur des installations qui n'étaient pas conformes. Donc je dirais le point de vigilance que vous devez avoir, c'est simplement un rappel, il n'y a pas de réglementation, les réglementations existent, c'est notamment sur tout ce qui concerne vos installations qui vont être soumises à ICPE, c'est-à-dire soit en exploitation, soit en autorisation, soit en déclaration. Surtout, assurez-vous que vous ayez bien fait les dossiers initiaux et que vous ayez bien fait aussi les différentes visites périodiques qui sont prescrites en fonction des rubriques auxquelles vous pouvez être assujetti. On peut donner quelques exemples de rubriques? Oui, les rubriques, alors ça va concerner par exemple des ateliers qui vont être de plus de 2 500 m². Ça va concerner par exemple des installations où vous allez faire de la peinture et vous allez consommer le seuil, je crois, de mémoire est de 10 kg par jour ou l'équivalent de 500 kg de solvant. Vous avez aussi les stations de carburant qui vont être soumises. Et éventuellement des stations de gaz style GPL, mais là, il faut vraiment atteindre des gros volumes. Donc, il y en a très, très peu, je pense, qui doivent être concernés.
Donc ça, c'est un point. Et aussi, un point qui est important, c'est à partir du moment où vous allez céder un établissement, où vous allez ou en acquérir un, je dirais, si vous le cédez, vous allez devoir aussi remplir, à partir du moment où l'établissement était soumis à ces déclarations, donner un certain nombre d'éléments à la DRIR de façon à les assurer que le bâtiment que vous remettez en vente et les sols sont propres. Donc ça, c'est un point très très important qui peut aussi vous concerner. Et aussi, notamment lors de l'achat, on propose un certain nombre de prestations qui sont quasiment du due diligence, qui sont généralement les prestations environnement, les prestations clos couvert du bâtiment, de façon à savoir soit ce que vous achetez, soit savoir ce que vous vendez. Bon, ça, ce sont les grands points de la réglementation. Je dirais, il y a quelque chose aussi, alors là, je ne sais pas, la date du 27 septembre, ça évoque quelque chose pour vous ? Parce que le 27 septembre, théoriquement, c'était la date limite pour les remises des ADAP avec les diagnostics handicapés. Alors je sais que les personnes à mobilité réduite ne sont pas forcément légion de vos clientèles. Néanmoins, en tant que RP, vous êtes soumis à cette réglementation. D'ailleurs, je crois qu'il y a 2 ans, on avait mis quelque chose en place. Oui, tout à fait. J'étais surpris, on n'a pas eu beaucoup. Donc, non, parce qu'en fait, il n'y a pas eu beaucoup de retours, parce que le lendemain où on avait lancé l'action, il y a eu un message dans la presse qui disait qu'on avait un délai. Oui, sauf que le délai... Il y avait un délai, effectivement, il y avait un délai, mais pas pour faire les diagnostics, il y a un délai pour faire les travaux. Oui. Il y a toujours le délai pour faire les travaux. Mais théoriquement, la date remise limite des audits et des diagnostics, c'était le 27 septembre. Bon, il y a du retard, mais de toute façon, on a toujours du retard en France, donc ce n'est pas très, 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 très inquiétant à ce niveau-là. Par contre, j'irai derrière, c'est effectivement des choses qui peuvent revenir. Et l'autre point sur lequel, là, ça va être, un gros chantier pour vous, excusez-moi, c'est tout ce qui va concerner la pénibilité au travail. Alors ça concerne toutes les entreprises à partir de 50 salariés. Ce sont des documents, même si, vous n'êtes pas concerné, vous allez quand même devoir travailler dessus. Alors il va y avoir des accords de branche, il va y avoir un certain nombre de choses. Pour l'instant, la réglementation est passée à partir donc, du 1er janvier 2015. Je dirais le législateur et même les bureaux de contrôle, on a un petit peu de mal à savoir où placer les curseurs, comment ça va se passer. Donc pour l'instant, il est un petit peu urgent d'attendre, des fois. Mais il faut savoir que ça va arriver et que ces documents, à un moment donné, il va falloir effectivement les monter, les créer, les gérer, parce qu'il va falloir derrière gérer les comptes pénibilité des salariés. Alors ça va être un vaste problème, parce qu'au niveau des entreprises, on ne sait pas exactement si ça peut être fait directement par l'entreprise, si ça peut être sous-traité, enfin bref, c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Bon, je dirais sinon, je vous dis, mis à part le fait que l'État, cherchant un peu d'argent, la mesure le plus simple, c'est d'appliquer des pénalités ou des contraventions aux entreprises qui ne respectent pas, notamment tout ce qui va concerner l'environnement. Là, en environnement, je pense que dans les années à venir, ça va encore se durcir. Et puis, bon, je dirais, ils ont déjà fait le nécessaire au niveau code du travail. Maintenant, ils vont davantage travailler sur tout ce qui est processus au niveau du travail. Voilà un petit peu les nouveautés qu'on pouvait vous donner. Merci pour cette réponse complète. Alors, les ateliers vont évoluer. La technicité des véhicules croissante va rendre les interventions plus difficile, la maintenance des matériels de garage plus compliquée et les contrôles réglementaires risquent de se durcir. Mais avec toutes ces évolutions, comment pensez-vous que des réseaux spécialisés sous enseignes type Feu Vert, Norauto, Speedy et Midas s'organiseront eux ? Moi, je n'ai pas la réponse. Là, c'est la question. Ouverte, vous vous souvenez hein ? On l'entend souvent. Hormis le fait peut-être de réanimer peut-être un peu la salle, c'est un débat permanent. À qui est-ce client automobiliste ? C'est ça la vraie question au final. Est-ce qu'on va réussir à le traiter, pas le traiter ? Bon, tout le monde se mobilise, clairement, pour essayer de capter ses clients. Je dirais dans un horizon, alors je ne sais pas si mes... Mes confrères sont dans le même esprit, mais je pense qu'il y a plusieurs timings en fait pour ce client. Il y a l'horizon à 2 ou 3 ans où cette bataille va continuer d'exister. Et je pense que dans plutôt 5 à 7 ans, il y aura peut-être une spécialisation des différents intervenants de la maintenance automobile avec
une vraie connaissance, certes, du véhicule et des informations de ce véhicule par le constructeur. Et donc, effectivement, le constructeur pourra intervenir pleinement sur ce véhicule et interagir avec le possesseur de ce véhicule. Et peut-être que les réseaux spécialisés auront une autre philosophie à ce moment-là, qu'on ne connaît pas encore, mais qui se spécialiseront peut-être sur des opérations plus simples, plus d'accompagnement au quotidien. C'est difficile de se prononcer. En tous les cas, la bataille et puis les rivalités seront encore là, je pense, encore quelques années. La bataille est rangée, je pense. Il y a un facteur principal, et que les réseaux de centre auto, la moyenne d'âge des véhicules qui arrivent dans un centre auto, c'est 5 ans et plus aujourd'hui. Bon, sachant que le parc roulant a plutôt tendance à rajeunir. Effectivement, aujourd'hui, les réseaux de centre auto, certains réseaux de centre auto, se sont quand même énormément organisés autour de la formation de leurs équipes techniques et arrivent à concurrencer, au moins dans l'esprit de la clientèle, le concessionnaire original marque. Donc là, la bataille, elle est effectivement de comment, pour les concessionnaires, comment arriver à se réapproprier ces clients qui sont partis. Je pense, aujourd'hui, c'est une mauvaise idée, c'est-à-dire le prix. Ils sont partis à cause du prix. Ça a été la bataille, le cheval de bataille de ces réseaux de centres auto. Hein. Venez chez nous, c'est moins cher que chez le concessionnaire. Donc ça a été peut-être vrai quelques années. Aujourd'hui, les concessionnaires se sont largement réalignés. Par contre, je ne pense pas, peut-être que je me trompe, je ne pense pas que dans l'esprit de la clientèle, on en soit arrivé là. C'est-à-dire que je pense qu'au niveau communication, dans l'esprit des clients, le centre auto reste moins cher. Donc après, au niveau par contre, au niveau qualité de prestation, l'image de la marque reste toujours présente à ce niveau-là. Donc peut-être pour des opérations d'entretien courant, ils vont aller plus facilement dans un réseau X de centre auto, et pour une réparation plus pointue, vont se diriger vers la marque. Sachant, si je me trompe, sachant que les réseaux spécialisés comme Speedy, Noroto, Midas, etc., ont un taux d'équipement sur le matériel de garage qui est beaucoup plus rapide que dans nos concessions. En rotation d'équipement, oui, et en investissement dans les nouveaux matériels. Oui, tout à fait. Notamment, on a pu le voir sur le 1234, il me semble que ces enseignes se sont équipées quand même beaucoup plus rapidement que notre réseau. Je me trompe ou pas? J'avance quelque chose? Ça dépend des réseaux déjà. Oui, je pense qu'il faut. Il y a différents réseaux, différents niveaux de réseaux. Faire attention. Mm. Le prix, c'est vrai que c'est un fait. C'est ce qu'il y a de plus facile en termes de communication et c'est ce qui accroche le plus l'automobiliste. Par contre, la qualité de prestation, c'est aussi important. Et puis la réponse, votre réponse aujourd'hui, puisque je pense que votre constructeur se fait et votre voix aujourd'hui vis-à-vis des automobilistes, elle est juste parfaite. Elle est juste parfaite. Il n'y a vraiment il y a plus de différence aujourd'hui en termes de tarifs. Et je pense même que le constructeur est moins cher qu'un centre auto. Et quand moi j'insiste à essayer de vous passer le message que la connectivité des appareils et la connectivité de l'automobile et la manière dont on va dialoguer sur l'automobiliste en se mettant enfin à sa portée, parce qu'on fait tous des efforts, on fait des efforts en termes de communication pour pouvoir passer de l'information technique automobile à un utilisateur, c'est pas facile. Et c'est pour ça que je pense qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans, que ce soit les équipementiers, les mainteneurs, les gens qui vont être au contact du client. Il faut continuer dans ce sens-là, dans tous les cas, d'appuyer fort, fort, fort sur la simplicité de l'automobile et le fait que prévoir, c'est accepter. Et si on veut prévoir des réparations dans le futur, il faut dialoguer bien en amont et avec des outils performants et ludiques pour que le client puisse comprendre instantanément ce qui se passera dans le futur. Et donc, de ce fait-là, il restera naturellement dans le réseau qu'il informe le plus. Et je pense que c'est ce qu'on vivra et c'est ce qu'on dans très peu de temps. Alors Richard, vous avez fait ma conclusion en fait. Je suis désolé. Vous avez fait ma conclusion, mais par contre vous avez oublié quelque chose, c'est que Unicap est là pour faire ce lien. Mais ça c'est normal, c'est votre conclusion. Voilà, merci. Merci d'avoir participé.